Voilà. Il faut secouer l'avion. Bon, Regina. Faut pas confondre 2000 et 3500, hein. On voit que t'as pas... Hey, on voit que tu pilotes pas la grise, toi. Faut qu'elle monte, hein. Faut qu'elle monte, elle a le temps de monter. Il ne veut pas savoir. Ah, il y a un bon amplitude, ça. Ah, je suis à 3500. À 3500, le truc c'est qu'on on voit pas. Belle journée pour voler en plus. Faut que je me mette bien. Voilà, c'est quoi ça? Voilà. On aurait vu des obus qui tombaient. Ouais. Je sais pas qui largue, hein. Ah, j'aurais dû filmer moi aussi de mon côté. Et dès qu'on croise un aéroport, on se pose. Le prochain. Non, on a dit c'est celui de Lille. Il y a une île, on va faire un survol d'une île et là il y a un aéroport. Ouais, mais c'est une île ça là-bas. Moi je vois pas d'île. Verschmann, Vesman, Mirja. C'est quoi son code? Salut. Non, c'était... Ouais, là c'est la neige et là c'est le vert. Attends. J'ai beaucoup de blanc, de temps en temps un petit peu de vert. Ouais. Ah, BM Verschmann Neyar. Ouais. Yes, sir. Okay. Parti. Bravo India, Victor, Mike. Ravichi au magnésium. Faire ce travail. On devrait peut-être aller jeter un coup d'œil. Boire un coup. On les saute. Contrôle, monsieur. Sans combinaison. Avec le porte blindé au cas où. Nous vous proposons en avant-première la visite intérieure de la grise. Pas mal, vous aurez ça sur le forum demain. Eh, t'sais, on dirait la grise, la grosse poule en train de couver. Ah. Et toujours avec ses flotteurs, hein. Ah non. Toujours avec ses flotteurs. Incroyable. En fait, on est pas mal aujourd'hui, hein. Le moteur droit, je vois pas. Ah, parce que je vois en baron. Ah oui, il y a une roulette de queue sur le viveur. Et tout est expliqué. Et que tromperie. Ouais, bah, ils ont intérêt, hein. Ouais. Il devrait, hein, quand même. C'est quand même un Moscou, hein. Ouais, ouais, c'est le mien. Et moi. J'ai joué avec une petite qui raille. Moi je dis bien sympa ce petit vol. On aurait pu atterrir dans le champ en bas aussi, regarde. Juste à ma gauche, un, une espèce de, d'aéroport ou de champ. Je sais pas trop ce qu'aurait un champ. Ça aurait été plus drôle. Et même un port, une base d'hydravion. Ah ouais. Voilà. Au début là, ou au fjord, je sais lequel, il y en avait une de, sur l'Alaska qui là, était... Là, il y a Yosemite qui est gratuit. Yeah, non, il y avait Bowerman, le premier c'était Bowerman. Comme qu'il y avait une Enablu aussi qui était tout au début, c'est gratuit. Alors, Enablu, c'était Bowerman. Ah, Bowerman, d'accord. Enablu, ouais. Okiam. Je suis déjà à 5000 pieds. Hein. Ça fait beaucoup de pieds, ça doit sentir mauvais. Il y a 3500. Bah écoute, je vais regarder ça tranquillou. Le branle-bas, de mettre l'avion qu'il faut, le temps qu'il faut, l'heure qu'il faut. Aïe aïe aïe. Mamma mia. Qui c'est qui est tout devant? Il y a Barak et Neptune, vous continuez votre route, vous.
Bah... Attendez, je vous rejoins. Et je décolle. C'est quoi mon avion là, moi j'aurais bien aimé me poser quelque part, mais il n'y a pas grand monde en bas donc. Ben, en plus, le prochain aéroport il est pas là encore. En fait, c'est grand l'Islande quand même. Ah, bah ben, il y a de quoi faire. On sait pas si c'est aussi grand. Hein. On avait décollé à quelle heure? À 10h. Et tu dis, mais c'est quoi le truc d'abord? C'est juste un rond avec une queue. Ouais, mais quand, ah, mais t'as quand même une queue. Ouais, mais entre une queue et un cul. Ah oui, tout de suite la question ne se pose plus. Ah. Non, pourquoi c'est tout flou d'un coup? Non, moi ça va, c'est bon. Il y a des petits nuages. Il m'a piqué quoi? Quelqu'un a réussi à déjouer ton système de sécurité, il va falloir revoir ça pour la prochaine fois. Ouais, non, ouais. T'inquiète, l'assiette de la grise est toujours la même. Il a fait le ravitaillement en vol. Il garage ma consommation. Ah, oui. Oh, bah, tu mets. Tu ouvres la porte, tu mets le verre dehors, il sera bien fait. Hein. Ah, ça va ce qu'on veut. Quelle température vous avez, vous, de votre côté, là? Dehors? Moi, à l'extérieur, tu veux dire en vol? Ouais. Non. Dans la vraie vie. Là, on, ouais, est il fait à, bon. On est à 16, là. Tu l'as fait, celle-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir passer l'été et quand tu passes sous les nuages, là. Des nuages, c'est génial. Là, on est pas loin de BHIN. Tiens, mais je vous vois pas. Oh, il y a encore du chemin. Hein. Bah oui. Attends, Le repas sur la lune. Ah mais j'ai rien touché, je me suis simplement 9. Rapproché. 9, ah oui, voilà, le compteur vient de ça. Oh, superbe les nuages. Ouais, j'ai 5 derrière moi, ou 4. On passe juste, au-dessus du cratère. Hein. On est juste au-dessus du cratère. Je suis à fond les manettes et je suis à 165 nœuds. 165. Petit à petit, hein. Deux fois, oui, par tout à l'heure, les gars. Je me mets en place droite pour profiter. Oh, j'aperçois la barrique sur la droite là, et la bande de fous sur le devant moi. Mon baron, Ned, Thomas, Joss. Et plus du volant. Et la thune qui est devant, qui tente de garder la tête haute, du haut de ses 6000 pieds. Non mais t'en fais pas, la tête est haute, mais le ventre est devant. Et voilà. Premier plus rapide des passes, c'est tout. Mais... Superbe atterrissage de la grise. Moi je suis arrivé deuxième. Voilà. Neptune, t'as failli te brûler les hélices. Ah ouais. T'es passé juste en dessous. Pas yes. Bon. Alors Calou, lui, il se fait sortir quand j'arrive, moi. Ouais, je suis parti, ouais. Je m'en sortir. Je me suis fait virer comme un mal. Pourtant, c'est le beaver. Un mal. Là, il y a du baron, hein. Ouais. C'est vite. Il y en a qui sautent les avions. Tchou, on attend bloc. Mais comment on appelle ça, les pannes?
Ouais, t'allais trop vite. Ah, c'est... Il a laissé les poissons panier. Bon. Eh bien. Bon, allez.